Bim, bon bah du coup je viens de finir le quatrième étage. C'est pas si grand que ça en fait. Hein. On a vite fait les allées, on a vite fait les trams, on a vite fait un tour d'ensemble. Alors après, soit vous cherchez quelque chose de particulier, et bien vous y allez directement. Et là, on se gagne du temps. Les écrans de chez Bank. Oh là là, avec le petit écran. Alors c'est vrai qu'ils ont vendu beaucoup d'AI, mais on voit qu'on est quand même un peu sur le début. Hein. Ça veut dire que il y a de l'AI, c'est un peu comme le. Tu sais, quand sur les télés, on avait les HD Ready, pour ceux qui ont connu. Bah, là, on sent que les marques sont AI Ready. Ils sont prêts. Il n'y a pas. Un peu de quantique, un peu d'AI, et on sent que les marques, voilà, elles ont de la puissance. Elles ont du matériel, elles ont du hardware. Là, très joli, là, dans une jante. Très joli. J'ai vu ça, je crois, sur YouTube, sur une chaîne de high-tech où ils avaient fait dans une jante. Très, très, très stylé. Après, c'est vrai que ça reste un PC. Hein. Après, c'est vrai que c'est l'emballage. Comme on voit, soit on met dans les rigs comme ça, soit vous mettez dans un truc un peu plus design. Bon, il y avait quand même pas mal de stands plutôt sympas. J'ai pas vu Geekom, mais je crois qu'elle m'a dit qu'ils n'avaient pas pu venir. On devait aller voir Ice Magic, on devait voir Mini Forum et tout, mais je sais pas. Elle m'a donné un dièse. Il n'y a pas. Et l'autre, elle dit sera là et je sais pas où. Pas tombé dessus, donc ils n'ont pas un stand assez gros. Après, on verra. Il nous reste le hall numéro 2 pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Là, on est venu, d'accord. On va prendre un peu l'allée centrale. Je le dis, de l'habiller en Mario, pas du tout. Il est juste habillé en rouge avec un sac à dos et c'est pas Mario. Cool Master, encore une fois, je pense on a fait un petit tour d'horizon de oula, joli celui-là aussi. Ah, c'est Avatar. Si on se demandait sur l'autre, c'était plus en mode. Ah, j'ai pas passé ça sur Ice Rock. Oui, c'est Avatar. Si y en a un, on se demandait si c'était Robocop ou Avatar. Et c'est vrai que Robocop, ça date un peu quand même. Hein. C'est plutôt dans le style. C'est plutôt dans le style Avatar. Pas mal ça. Hein. C'est assez stylé dans. Voilà, ils ont une façon de mettre en avant qui est assez particulière. Ça attire le regard. Alors là, après, on est sur des. Voilà, la carte Persona. Alors, au début, je suis passé voir Persona parce que je pensais que moi, bleu, blanc, rouge, pour moi, c'était Patriot. Et en fait, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais bon, pourquoi pas. On va retourner comme ça, faire un petit tour d'ensemble, là, pour finir. Ah, Liva Mini PC. Alors Mini PC, on a vu pas mal, mais pas de la marque que je suis venu chercher. Liva, ok. Oh, plus mini que mini celui-là. Ah, trop bien. Alors là, plus mini que chez Mini de chez Mini. Waouh. Alors attends, d'accord. Je te mets l'écran. Intel Pentium Silver. Oh là, ça va. AM2, j'ai mis Windows 11, ouais, pas mal, on est sur une petite config de laptop. Ça, c'est vraiment, là, par contre, là, c'est vraiment mini. Regardez ma main. Ça, c'est le genre de truc qu'on a avec Geekom. C'est le genre de format-là. Et là, c'est ce format-là. Là, plus petit. Hein. Pas mal, je fais une petite vidéo au moins sur celui-là parce que ça méritera au moins une vignette et une miniature.